Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 3 et le dimanche 4 septembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, vous avez le chapeau magique. En deuxième, fidèle au poste, hein, comme d'habitude, le petit chat noir. Et en troisième choix, je vous ai pris une magnifique plume de mon coq. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets verts dedans, c'est trop joli. Voilà, une plume de sa petite queue. Voilà, donc pour les jeux qu'on va utiliser pour ce week-end, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna. Et comme tarot, bah, j'avais trop envie de prendre le bout tarot de Célia parce que je l'aime trop tout simplement. Même si c'est pas encore l'automne ni Halloween, sincèrement, on s'en fiche. Moi, je regarde déjà pas trop à tout ça. Voilà. Mais sinon, bah, j'espère que vous allez tous bien, que bah, ceux qui sont rentrés à l'école, au travail, vont tous bien, que ceux qui sont en vacances profitent bien, parce que c'est vrai que la dernière fois, je les avais oubliés. Ceux qui n'ont pas d'enfants, effectivement, il y en a quelques-uns qui prennent des congés au mois de septembre. Voilà, sinon chez moi, tous mes enfants sont partis retrouver le chemin de l'école. Du coup, ben, l'avantage, c'est que j'aurai plus de temps pour vous répondre à vos commentaires. Je ferai mes vidéos un peu plus à mon aise aussi. Pas qu'ils me dérangent, mais bon, quand il y a quelqu'un autour de moi, c'est pas toujours évident de me concentrer, même s'ils sont très compréhensifs. Et je crois que pendant juillet, août, ils ont toujours été à côté de moi quand je faisais les vidéos. Et je pense pas qu'il y a une seule fois où on les a entendus en vidéo. Je crois que les animaux font plus de bruit que mes enfants, notamment Monsieur Garfield. Voilà. Sinon, ben, il fait toujours chaud. Aujourd'hui, on a 26 degrés pour un 1er septembre. Ce week-end, on annonce 30 degrés. Tout va bien. Pour un mois de septembre, ma foi, c'est du jamais vu. Normalement, je serai dans le chat pour vous faire un petit coucou. Je me dis bonjour à moi-même, voilà. La folie me guette, les amis. Non, mais comme je vous ai dit, vaut mieux rire. C'est gratuit de rire. Essayons de rire le plus possible parce que dans le monde dans lequel on vit, sincèrement, ça fait du bien de rire, de sourire, de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Donc oui, je ris. Voilà. Et puis j'ai un tempérament plutôt optimiste en général. Bon, ben comme d'habitude, vous n'allez pas le voir, mais je vais faire une tour devant le poisson. Donc on aura, comme quelqu'un m'a dit la semaine dernière, un poisson qui tire les cartes. Pourquoi pas, qui sait? Peut-être qu'à force de m'entendre, puisqu'il est tout juste à côté de mon bureau, le pauvre, ben peut-être qu'il va peut-être prendre des notes et un jour peut-être qu'il viendra faire le tirage à ma place. Non mais là, j'exagère, j'avoue. Ah ah! Une bonne carte, j'ai vu. La célébration. Quand je vous parlais de qu'il fallait rire, ben voilà, il faut célébrer, s'amuser. Ah, est-ce que les énergies seront chouettes pour ce week-end? Que la dernière fois, elles étaient un peu plus plombées. Enfin, les dernières fois déjà, j'ai trouvé. Pas que la dernière que j'ai fait, mais depuis un petit moment, elles étaient un petit peu moins gaies. Moins gaies que d'habitude. Hop. Voilà, voilà. Bon, et du coup, c'est la course parce qu'ici, il faut que j'aille rechercher les enfants à l'école. Bon, pas maintenant, mais tout à l'heure. Mon plus petit commence enfin son foot en salle. Il a déjà fait 3 essais. Il était sur liste d'attente. Donc, je ne vous dis pas comme il est enchanté. Moi, un petit peu moins parce que déjà, j'aime pas le foot. Et c'est un petit peu la course au niveau des horaires. Entre aller en chercher, le temps de revenir, de repartir au foot. Mais bon, tout ça, c'est une organisation. Et comme il a l'air de vraiment, ça fait 2 ans qu'il me pompe, entre guillemets, avec ça, ben, je pense qu'il en a vraiment envie. Donc, si c'est vraiment une passion, autant qu'il le fasse, si ça lui fait tant plaisir. Voilà. Youp. Oh, j'adore. Regardez-moi ça, ce dos, quand on l'étale. Et voilà. Youp, oui, j'ai encore fait quelque chose. Maintenant, pour tout remettre ensemble. Voilà. On est parti. Petit poisson, tu as tous les jeux devant toi. Bon, on va commencer du coup avec ceux qui ont choisi le chapeau, comme d'habitude. Voilà. La toile. Et la clé.
Bon, ici, on a tout de suite à l'idée que vous allez peut-être trouver la solution à quelque chose, à un problème. Peut-être aussi que quelqu'un essaie de vous tendre un piège. Peut-être que quelqu'un ce week-end, peut-être pas que ce week-end, mais il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous jouer un sale tour, entre guillemets, hein, et peut-être que, comme vous allez peut-être trouver la solution pour déjouer ce tour, pour pas tomber dans le panneau, ou peut-être tout simplement que vous allez comprendre certaines choses aussi qui vont faire que vous n'allez pas tomber dans le piège de cette personne. On a vraiment l'idée, avec la clé, de trouver la solution pour moi. Hein. Donc, soit vous avez été pris dans un guet-apens, dans un mauvais plan, quelque chose comme ça, quelque chose qui n'était pas bon pour vous en toute façon, mais soit vous allez trouver la solution pour ne pas tomber dedans, soit vous allez trouver la solution pour vous en sortir, justement. Ce sera l'un ou l'autre. Et à mon avis, vous allez trouver la bonne solution, vu qu'on avait la carte de la célébration qui va sauter, enfin qui a sauté, pas qui va sauter, elle a sauté. Donc, à mon avis, ici, vous allez enfin trouver la solution pour vous dépêtrer de quelque chose. Peut-être, par exemple, vous avez, je sais pas moi, acheté un truc que vous auriez pas dû, par exemple, peut-être, vous savez, les porte-à-porte, ceux qui viennent vendre des contrats et tout ça, parfois les personnes âgées se font bien avoir par les beaux parleurs, et bien peut-être vous allez trouver une solution pour arriver à vous dépêtrer de cette situation, et comme c'est quelque chose qui devait vous tracasser vachement, vous en retenez peut-être malade, vous allez vraiment être super content, super heureux, de pouvoir enfin souffler, d'avoir trouvé une opportunité de sortir de ce piège, cet achat ou tout ce que vous voulez. Voilà, il y en a vraiment l'idée ici. Ce week-end, vous allez vraiment fêter d'avoir trouvé une solution à un problème, quelque chose que un piège dans lequel vous étiez tombé. Voilà. Alors, inattendu et surprise. Ce sera peut-être finalement une solution qui ne sera pas inattendue. C'est peut-être un truc qui va vous, par exemple, je sais pas moi, une rentrée d'argent surprise que vous n'attendiez pas, c'est un exemple, hein, qui va arriver ce week-end et du coup, vous allez savoir payer le truc peut-être dans lequel vous êtes tombé, vous allez arriver à vous en libérer et du coup, ça va être la fête ce week-end parce que vous allez vraiment être soulagé d'un grand poids. Mais on a vraiment l'idée ici d'un truc inattendu, une surprise, quelque chose de toute façon qui va arriver alors que vous ne vous y attendez pas et ça va vous aider à trouver une solution à ce problème et du coup forcément ça va être la fiesta quoi. Quand on a un truc qui un problème comme ça qui vous pesait l'esprit qu'on arrive à clôturer, à mettre fin, on se sent directement plus léger, soulagé et on a juste envie d'être joyeux et de fêter ça. Donc voilà. Et pour le tarot, on a l'ermite. Et désolée. Je fais comme les enfants, je fais aller l'holographique. L'ermite, l'ermite, elle était déjà sortie aussi la semaine passée. Peut-être que vous allez du coup avoir besoin d'un petit coup de solitude, de vous retrouver avec vous-même justement pour souffler par rapport à tout ça. Ou peut-être que vous allez puiser dans votre passé, dans vos expériences passées pour trouver la solution aussi à ce problème. Justement, et ce serait peut-être une solution totalement inattendue. Mais ici, on a vraiment l'idée de s'isoler, de trouver du temps pour soi. Donc, à mon avis, vous allez quand même devoir prendre un petit moment rien qu'à vous pour souffler, pour arriver à évacuer tout le stress et lâcher prise sur ce problème qui a vraiment dû être très, très pesant mentalement pour vous. Voilà. Et parfois, justement, quand on arrive à clôturer un problème, on a été tellement stressé et tout ça, que quand on clôture le problème, on a une fatigue terrible qui s'installe parce qu'on a eu tellement d'émotions, ça a été tellement prenant physiquement et mentalement, qu'on est juste au bout du rouleau, entre guillemets, on est crevé, on a besoin de se retrouver et de reprendre son énergie. Donc avec la carte de l'ermite, c'est peut-être ça aussi. Malgré que vous avez envie de le fêter, vous allez peut-être devoir prendre un petit moment pour vous justement, pour arriver à vous en remettre. Voilà. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Avec l'aîné qui était déjà sorti, il me semble, et les ciseaux. L'aîné avec l'aïeul, la sagesse et le savoir. Et ici, coupé, séparé, élagué. J'ai envie de dire, ici, ce week-end, vous allez peut-être devoir faire preuve d'une certaine sagesse. Peut-être pour couper les liens, peut-être que vous savez au fond de vous-même qu'il y a des choses, des habitudes peut-être ou des personnes qui sont plus bonnes dans votre vie
Et ici, on vous dit peut-être d'user de votre sagesse, de bien réfléchir. Et il va peut-être vraiment falloir penser à couper les liens avec ces habitudes ou avec ces gens qui ne vous conviennent plus parce que ce sont des émotions qui sont toxiques pour vous. Ou alors, vous allez peut-être couper les liens avec une personne plus âgée. Ça pourrait aussi, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. On a aussi l'idée de couper avec de couper les liens. Je suis désolée, j'ai eu un bug parce qu'il y a une mouche qui s'est mise dans le truc dans l'appareil pour les mouches et ça fait un boucan d'enfer. Donc, ou alors vous allez couper les liens avec une personne plus âgée, ou alors c'est une personne plus âgée aussi qui pourrait vous conseiller, vous donner des conseils pour comment couper avec certaines mauvaises habitudes ou couper avec des liens toxiques aussi. Ou alors c'est vous qui allez enfin faire preuve de sagesse pour couper les liens avec ce que vous savez que vous devez couper. On va voir ce que nous dit l'oracle Roux. L'alliance. Ici j'ai envie de dire l'alliance, c'est le fait d'être en de s'allier avec quelqu'un. Donc peut-être que tout simplement, c'est pas spécialement un mariage. Ça peut aussi être par exemple vous allez au sport avec une amie ou vous avez décidé de faire une activité avec une amie. Et au final, ça vous pèse, ça va pas du tout. C'est peut-être que l'ami vous convient plus ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez entrepris un projet avec quelqu'un. Ça peut être un boulot aussi. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose en alliance avec quelqu'un, forcément. Et ici, on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps de couper cette alliance parce qu'au final, ça ne vous convient pas du tout, quoi. Soit vous coupez, vous allez peut-être être franco avec votre copine en lui disant, voilà, moi je peux plus, ça me convient pas, j'ai plus envie de continuer. Ou alors vous allez vraiment devoir couper les liens avec une personne avec qui vous travaillez en équipe, entre guillemets. Voilà. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. Déclarer. Bon, ici c'est plus sur le ton amoureux, mais je dirais plutôt que vous allez devoir le déclarer, vous allez devoir le dire. On voit ici confession, parler, révélation. Il va peut-être falloir jouer, comme je viens de vous le dire, jouer franco avec la personne et lui dire, confesser, lui expliquer, vraiment lui dire de vive voix que ça va plus pour vous, que ça vous convient plus, que vous n'en pouvez plus et que vous ne voulez plus poursuivre dans l'aventure, n'importe laquelle que ce soit. Hein. Il y a vraiment cette idée, bon, ça pourrait aussi être avec l'alliance, ça pourrait aussi être un mariage. Hein. Peut-être que vous allez, peut-être tout simplement, je vous le souhaite pas, mais peut-être dire à votre conjoint que vous n'en pouvez plus, que ça va plus et que ça s'arrête là. Ça peut aussi, mais bon, ici, oui, je verrais plutôt la fin de quelque chose que vous faites en duo avec quelqu'un. Voilà. Ah ici on a les amoureux avec le choix à faire en plus, c'est marrant. La carte des amoureux, c'est vraiment la carte du choix, hein, d'avoir un choix à faire. Donc vous allez devoir faire le choix de couper avec ce qui va plus, avec ce duo, avec ce qui vous correspond plus en fait. Il va vraiment falloir que vous fassiez le choix de le dire et d'agir en conséquence. Parce que ça ne vous convient plus. Mais la carte des amoureux, c'est vraiment le choix à faire. Donc vous allez vraiment ce week-end devoir faire un choix. Bon, vous allez devoir, à mon avis, faire preuve de sagesse quand même pour le faire. Mais vous allez vraiment devoir vous séparer, couper tous les liens, tout ce qui ne va plus dans votre vie, puisque vous allez finir par vous rendre malade. Et évidemment, ne pas être honnête et jouer franco et le dire. À la personne à qui est concernée, et la carte des amoureux, c'est vraiment un choix à faire. Donc je trouve que tout colle très bien ici aussi. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la plume. Vous voyez bien, ouais, je vais faire comme ça et on va les décaler un petit peu. On a les oiseaux, j'allais dire les hirondelles. Et de nouveau la couronne avec le pouvoir qui ressort, c'est marrant. Les oiseaux, badinage, amoureux et idylle. Et la couronne, souveraineté, pouvoir et valeur. Si on le prend du côté nouvelle idylle, jeu amoureux, peut-être qu'ici on vous conseillerait de bien garder votre pouvoir, de bien garder les rênes de votre vie, hein, que même si on vous fait la cour, etc., si vous êtes dans les premiers émois d'un flirt, etc., d'une nouvelle relation, gardez quand même bien le pouvoir sur la chose, hein, ne vous laissez pas faire. Ou alors, ici, moi, les oiseaux, ça parle aussi parfois, bon, ça peut parler de nouvelles, mais ça peut aussi parler comment on dit, c'est encore pas de bavardage, de personnes qui parlent sur le dos des autres, voilà, je trouve plus le mot.
de cancanage ou je ne sais plus quoi. Et bah, du coup, on pourrait aussi vous dire de reprendre le pouvoir sur votre vie et peut-être tout simplement de ne pas laisser les gens parler dans votre dos non plus. Voilà, pour ceux pour qui le tirage avec l'histoire d'amour ne collerait pas, bah, ça pourrait aussi être ça, de reprendre le pouvoir de votre vie, de bien défendre vos valeurs et de ne pas vous laisser faire et de ne pas écouter les ragots autour de vous. Voilà, parce que souvent, on a tendance à beaucoup s'en faire pour ce que les autres pensent de nous, de nos actes, etc. Alors qu'au final, ben, moi, je prône, on s'en fiche un petit peu de ce que les gens pensent, tant que ça nous rend heureux. Reprenez peut-être le pouvoir de votre vie et faites peut-être plus des choses qui vous conviennent à vous au lieu de les faire pour le bon vouloir des autres et, vous savez, pour paraître bien, etc. Voilà, moi, c'est ce qui me vient, là, tout de suite. Ici, on a l'eau. L'eau, je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est les émotions. Peut-être que ce week-end, vous allez peut-être être pris dans un torrent, un remous d'émotions, parce que le moulin, il tourne. Hein. Peut-être que vous allez avoir un trop-plein d'émotions ce week-end et vous allez peut-être du coup devoir essayer de reprendre pouvoir là-dessus, d'essayer de vous remettre un petit peu de vos émotions, entre guillemets, et de reprendre le pouvoir et de faire en sorte que vous ne soyez plus dans des états pareils. Et notre Magic Luna, il va nous parler de jalousie. Voilà, je vous avais dit, les oiseaux qui parlent de personnes qui peuvent parler sur votre dos, etc., ça colle bien avec la jalousie. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes, aussi on voit aussi la moquerie, hein, qui se moquent de vous et qui vous jalousent, et peut-être que vous le vivez très mal, et ça fait beaucoup d'émotions, de tristesse. Bon, c'est vrai que quand on est au centre de la critique, des jalousies, des moqueries, forcément on se sent très mal, et ça dégage un trop-plein d'émotions. Et ici, on vous dit vraiment qu'il est grandement temps d'agir et de reprendre votre pouvoir et de plus vous laisser faire, quoi, de remettre les gens à leur place et de vivre et de faire ce qui est bon pour vous et pas pour les autres. Voilà. Donc, on a vraiment l'idée, remettez les gens en place et essayez de plus porter d'importance à ce que les gens disent sur vous, parce qu'en général, quand on donne de l'importance aux gens, ils sont encore plus forts. Voilà. Donc, là, en général, essayez plutôt de les ignorer, voilà. Et essayez de ne pas vous mettre dans des états pareils, du coup, et reprenez votre pouvoir, parce que, au fond de vous, vous savez que vous pouvez être fort, au fond de vous. Et ici, on a le 7 de coupe, aussi une carte d'émotion, parce que les coupes représentent aussi l'eau, c'est marrant qu'on a l'eau et la carte ici. Et la carte, je cherche les coupes dans mes fiches. Et comme je parle en même temps, voilà, elles sont ici. C'est se faire des films, des illusions. Quelque chose qui est trop beau pour être vrai. L'imagination, du coup, exagéré. Peut-être aussi que, du coup, ça prend encore un autre sens. Peut-être que c'est vous qui vous faites peut-être des illusions. Peut-être que vous imaginez qu'il y a plein de gens autour de vous qui se moquent de vous, qui vous jalousent, qui sont pas sympas avec vous, qui parlent sur votre dos. Alors qu'au final, c'est plutôt dans votre tête, avec le 7 de coupe. On vous dit peut-être de reprendre le pouvoir sur vous. Parce que si vous pensez que les gens se moquent de vous, etc., et qui vous jalouse, c'est peut-être que vous avez un manque de confiance en vous au final, et on vous dit peut-être de reprendre le pouvoir dans votre vie et de vous faire un peu plus confiance, et peut-être aussi d'essayer de ne pas avoir comme ça de pas voir le mal partout et de pas imaginer que tout le monde se moque de vous, parce que au final c'est vous qui avez le pouvoir et vous êtes quelqu'un de fort, et essayez d'avoir confiance en vous et vous verrez que du coup votre entourage aura peut-être encore plus d'estime et de confiance en vous. Voilà pour ceux qui avaient choisi la plume. Voilà pour les petites énergies de ce week-end qui sont pas trop mal, ma foi. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas, comme d'habitude. Hein. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous dans les commentaires, même si je vous le rabâche à chaque tirage, mais c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça j'oublie toujours de le dire. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite déjà un très beau week-end et on se dit à très vite, sûrement demain, pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.